Et yo les gens, c'est Azako, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc c'est une vidéo où je vais présenter des screens d'une personne qui a stream. Donc je sais pas du tout comment ça se fait, j'ai regardé FIFA 15 sur Twitch. J'ai remarqué un affichage différent, du coup je me suis rendu sur ce stream là. Et c'était FIFA 16 les gars. Sur ce les amis, laissez un like, abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite un bon visionnage, c'était Azako, ciao. Donc les amis, pour cette première image, on peut voir l'interface où nous choisissons les maillots. Ce qui a l'air cool, c'est de voir le joueur avec le maillot sur lui. On peut aussi maintenant voir les chaussettes et le short. Comme ça, on pourra choisir correctement la tenue pour que ça ne ressemble pas à la tenue adverse. Là, les amis, on peut voir le club du streamer. Donc, on peut remarquer les stats des joueurs. Donc, je ne sais pas du tout si elles sont définitives ou pas. Donc, on voit Neuer, il a 90 de général. Özil, 86. Suarez, 89. Courtois, 86. Cuadrado, 82. Perez, 80. Calderon, 80. Danilo 79 et Young et De Marcos 78. Donc là les amis, je sais vraiment pas du tout si les stats sont officiels ou pas, donc vous fiez pas trop. J'ai fait un screen quand le streamer il cherchait les cartes du Real sur le marché. Donc j'ai pu remarquer que certaines stats ont changé. Donc par exemple Varane, il a 81 de général, il a 80 de vitesse. On voit Modric 87, Benzema 85, Fernandez 72, Pepe 83, Marcelo 82 et Ramos 87. Donc là on peut voir Isco 83 de général, Casimiro 76 en carte non rare. Il y a aussi Cherichev 85 de vitesse les amis, donc 77 de général. Keylor Navas 79 en carte or rare, Kroos 85 et voilà. Le streamer cherchait les joueurs de Barça sur le marché, donc on peut voir Ter Stegen 82. Piqué 84, Mathieu 80, Alba 81, Suarez 89, Touran 84, Neymar 86, donc ça je pense ça va être augmenté, Vidal 76 et Bravo 83. Maintenant il y a les stats des joueurs de Chelsea avec Rémi 80, Calas 72, Cuadrado 82, Philippe Luis qui a signé à l'Atletico, donc il a 82 général, c'est une carte non rare. Diego Costa 85, Courtois 86, Falcao 86 et Azpilicueta 81. Donc là on peut apercevoir un pack qui a été ouvert, donc on voit Danilo Perisic 79 et Orban l'ancien bordelais à 75 de général. Là maintenant on peut voir un pack avec 4 cartes à l'intérieur où il y a un jeton FUT Draft tout à droite, un nouveau mode qui sera disponible sur le prochain FIFA, sera un mode Ultimate Team. On peut maintenant voir les cartes en haut de l'écran, il y a deux cartes, il y a Sanchez et Iniesta, il y a marqué joueur à suivre en anglais, player to watch. Je sais pas, j'ai vraiment un accent anglais de merde, je sais. Mais je pense que c'est le plus grand joueur de chaque effectif qui sera affiché là-haut. Là, on peut voir le nom et la carte du joueur qui a marqué le but. Là, en l'occurrence, c'est Neymar. Ça peut être cool si, par exemple, le joueur adverse fait entrer un joueur sur le terrain. S'il marque, on peut voir si la carte elle est régulière ou non. Ici, les amis, on peut voir une carte informe. En l'occurrence, c'est Blaise Matuidi en carte boost. Donc, je pense que les photos de la carte boost seront différentes de la carte régulière.